Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti! Alors on est dans le Nether. Oh, le Nether! Bien prononcé à l'anglaise. Hop là! J'ai fait des choses dans le Nether que je vais vous montrer. Donc déjà j'ai fini le contour. Alors là, je sais pas si je me mettrai plein ou je sais pas. Comme là, il n'y a pas la poutre, enfin le haut, vu que c'est ce qui monte au spawn. Et que j'ai fait l'ouverture de ce côté, je pense que je boucherai, je regarderai un truc, peut-être du de la barrière comme ça, posée tout simplement. On va voir ça tout de suite, tenez, vite fait. Mais on fera un petit design derrière, je pense. Un petit truc. Oh oui, attendez, je sais ce que je ferai. On le fera soit tout à l'heure, soit une autre fois, je pense. Ouais, oh, quoi que c'est assez restreint. Je verrai pour un autre. Je verrai. Plus tard. Plus tard. Pour le moment, donc, j'ai creusé de là. Oups. J'ai creusé de là, j'ai creusé de là pour voir où ça menait. Je vais vous mener vite fait. Je voulais voir si je trouvais une forteresse quand ça déboucherait sur le vide. Pas de forteresse, hein. Malheureusement. Pas de forteresse. Hop, donc là on est obligé de descendre un peu hein, pour arriver. Alors, faut faire hyper attention. J'ai restreint. Donc de là-bas, on ira voir, on ira visiter quand j'aurai fait les descentes, tout simplement. Voir si on trouve une forteresse du Nether. Ça serait plutôt pas mal. Mais j'en suis un petit peu dépourvu de forteresse. Et de l'autre côté, c'est pareil. Désolé pour le petit yé, mais je me suis mordu la lèvre en même temps. C'est pas bien agréable. Ah, le chant des ghasts. Je préférais le chant des sirènes. Donc là, pareil, il faut descendre un peu pour que ça s'ouvre. Là, j'ai pas pris le quartz parce que si je creuse, je tombe. Là, faut descendre un peu. Et là, pareil, il y a. J'ai poussé un petit peu. Attendez. Oula! Oui, je l'avais mis assez près quand même. Hop, donc vous voyez, ça mène en bas. Là, ça tombe très bas. Et j'ai pas de forteresse en visuel. Donc, à voir, à voir, à voir. Quand je ferai la descente aussi, pareil. À voir, à voir, à voir. J'ai fait, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Mais de toute façon, c'est là-bas qu'on va bosser. Donc, on va se faire un peu de nether hein, aujourd'hui. La descente. Donc, escalier. Il va falloir que je sécure tout ça. Donc, on arrive là. J'aimerais bien aller là-bas. Donc, on va se faire un petit pont. Et on va prier pour qu'il n'y ait pas de ghast qui viennent nous déranger. Et un double pont, moi, parce que je suis pas fou. Pas que mes compadres sont fous, mais ils sont plus habiles que moi. Comprenez? Moi, je sais que je suis peu habile, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas fou. Pour le moment, j'entends pas le chant des ghasts, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, comme vous le savez, sur Ragnablock, l'étendue du feu a été arrêtée.
Hop. Ce qui fait que ça nous permettra de construire. Hop. De construire bah, par exemple en bois ou autre, puisque l'étendue du feu n'est plus activée et que donc si les gaz te foutent le feu au bois, ça ne s'étendra pas, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça va nous permettre de construire. Vous savez que j'aime construire dans le Nether. Et limite en UHC, le Nether est moins moins dangereux que le que l'Overworld. Regardez-moi ça. Un stack fait presque le taf, hein. J'ai eu du pot sur ce coup-là, du Power de Ghast. Enfin, crie pas victoire, Fred. Hop. J'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot. Voilà, on est là. Ouf. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fait une autre île. On va voir ce qu'on a derrière. Un petit peu d'explo, les amis. Un petit peu d'explo, le vide. Parfait. Ici, on va pouvoir construire. On va pouvoir commencer à construire. Vous vous rappelez que j'avais commencé le village des damnés dans le premier Ragnablock. Et bien là, on va pouvoir commencer à reconstruire ce village. Hop là. Mais en d'autres matériaux. Toi, je te vois. Ah! Chaque fois que je passe devant le nez, hein, il disparaît. Donc on va pouvoir commencer à construire en d'autres matériaux, je disais. Là, on va tout simplement recouvrir sur la Netherrack, de façon à ce que si un ghast y tire dessus, il fera tomber la Netherrack. Mais pas alors attendez, mais pas notre parce qu'on aura construit hein, la Nether Brick tout simplement. Donc aujourd'hui, épisode au calme, sans se prendre la tête, tout simplement. Tranquille ou pépère, je vais pas vous dire petit épisode, parce qu'à chaque fois que je dis petit épisode... Oui, t'avais pas dit que ça devait être un petit épisode, Fred? Oui. Faut faire gaffe quand vous êtes sur des dalles, parce que quand vous sneakez sur des dalles, vous voyez, tac, ça compte comme une marche. Tandis que sur un bloc, on est arrêté au bord. Donc faut vraiment faire gaffe. Là, je suis tombé parce que je me suis relevé, hein. Si je vais au bord du bloc, hop, je suis arrêté, bien sûr. Ce qui ne se fait pas au bord des dalles, alors faut faire hyper gaffe à ça.
Désolé, hein, je suis concentré, donc je ne parle pas. C'est parce que j'entends les gasts, ça me stresse. Au bord du vide comme ça, pas bien bon. Voilà, nous avons notre petit passage, évidemment. On en refera peut-être un mieux quand on aura commencé à construire. Là-bas, il y a un magma. Oh, attendez. S'il est à côté de la maison, on va se le faire, les amis. Enfin, de la maison. Enfin, vous m'avez compris, hein. À côté de. Vous allez voir. Parce qu'il nous faut des boules de magma pour faire les potions de résistance au feu. Et on n'en a pas. Il me semble qu'il ne m'en reste plus. Il est par là. Viens par là, mon petit. T'es trop près des pics pour moi. Yes, déjà une bouboule. Hop là. Voilà, merci. Hop. Une bouboule. C'est déjà pas mal. Ça nous permettra d'avoir trois potions. Tu veux rentrer? Non. Donc, si vous aviez suivi Ragnablock saison 1, et pour ceux qui arrivent, qui n'ont pas vu Ragnablock saison 1, bah, je vais expliquer. J'avais construit le plus possible en diorite, comme ça, parce que le blanc casse avec le rouge et que je trouvais que c'était assez sympa. Là, on va pouvoir construire en d'autres matériaux. À éviter le grès parce que le grès, ça casse. Le grès, la sandstone, hein, pour les anglophones. Moi, je joue en français. Voilà, c'est pas pickaxe, hein, c'est pioche. Même si mon épée s'appelle Blooding Blade, voilà, hein, c'est quand même. Voilà. On va pouvoir construire en d'autres matériaux et pouvoir faire d'autres choses. Je vais vous montrer si je me fais pas éjecter de mon pont de fortune. Chouette, il fait jour. Ça, c'est nickel. Hop. Alors j'avais Mademoiselle Dreams qui me disait c'est dommage avec tes horaires de boulot tu peux jouer en solo et c'est un serveur multi. Bah ouais, c'est dommage Mademoiselle Dreams. Je te fais un bisou d'ailleurs, un petit coucou et un bisou. Mais bientôt je pourrai peut-être jouer en multi. Il faut voir, il faut voir. Faudra voir. Mais bientôt, je pourrai peut-être rejouer en multi. Alors, on ne peut pas mettre d'eau dans le Nether, comme vous le savez. On ne peut pas mettre d'eau dans le Nether. Mais on va pouvoir commencer peut-être. Profiter pour en faire une, comme ça elle sera là-bas. J'en ai une là, oui, j'en ai une là-bas, mais au portail, j'en amènerai une dans le village. Il faudra que j'aille prendre du charbon hein, parce que je vais commencer à manquer parce que j'ai fait cuire pas mal de netherrack. Et ça, c'est assez coûteux en charbon. Wow, faut faire gaffe, va falloir que je protège un peu ça. Je n'entends pas de ghast. Et ça, c'est plutôt cool. On va poser
ça là. On va commencer à creuser. On va garder cette couche-là. Je creuse, vous avez vu que j'ai pris de la terre. Là, je prends juste le quartz parce que ça servira. Oula, 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 oula. On remplace. Remplace-moi ça vite fait. Hop là, voilà. On recouvrira après selon. Alors, attendez. On va prendre notre petit métronome. Mais, ah ben ça va, je crois que vous avez compris ce que je veux faire. Trop près du bord. Trop près du bord. Alors, attendez, on va le refaire. J'aimerais pas donner un coup aux pigs. Ils sont chiants, ces pigs. On va le faire de là. Voilà. Simplement. Voilà. Faudrait voir plus grand. Derrière, je pense. Oui, vous avez compris que je veux faire. Mais voilà. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris sur moi. Parce que j'en avais pas besoin. Une. 2, 3, 4. Donc c'est une, 2 et une, 2, 3. Il me semble. Est-ce que je le fais en terre ou non? Oui, je le recouvrirai après. Je risque par contre de manquer de terre, on ira en prendre vite fait.
pour le remplissage. Voilà, c'est ça, hein? C'est ça. Je viens d'avoir cette petite idée à l'instant, c'est pour ça que j'ai rien préparé. C'est encore un épisode très random, les amis. Ne m'en veuillez pas, faire des épisodes random comme ça, sans trop préparer. En ce moment, je travaille dans l'imprévu. Hop. Donc pareil, certains m'ont dit qu'ils aimaient les longs épisodes. Et je vous en remercie. Je vous en remercie. C'est vrai, je dis toujours que je fais dans le court et je fais toujours dans le long. Mais ça, voilà quoi, c'est l'histoire de ma vie. De la terre. Là, de la brique, on en aura. Je vais vous faire un petit parc, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore deviné. On va voir si ça peut pousser random dans le désert et qu'est-ce qui pousse random. Enfin, dans le nether. J'en ai de là. Au pire, on amènera quelques fleurs comme ça. Vous voyez? On regardera ce qui peut pousser en random dans le désert. Dans le Nether. Je vais voir si j'ai vu une autre fleur, au moins d'autres couleurs, mais sinon. On a un rosier. Oh, on me traîne un rosier, ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Wow. Hop là. Fred Laulès veut faire la sieste. Ouais, je vais faire la sieste. Parfait. Il y a Cacao sur le serveur qui doit, je pense, faire soit un live, soit un épisode, je sais pas. J'y fais plus des lives, Cacao. Hein. Mais je vous encourage à aller voir sa chaîne. Je vous encourage à aller voir la chaîne de tous les résidents de Ragnablock qui filment. Hein. D'ailleurs, toi, tu ne te mets pas dans l'ombre. Merci. Ils font tous du très bon contenu. Donc, allez voir la chaîne de tous. Hein. Ben oui, je dis de tous et pas de toutes parce qu'on manque de femmes, voyez-vous, sur Ragnablock. Les femmes ont préféré Ragnamode. Il me semblait bien que je t'avais vu, toi, dans ta tenue beige. Hein? Ouais, non, 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 fais pas le 1, oh, et, oh, oh, et, un, bon. Oula. Mais c'est que c'est hargneux, ça, madame. Mais c'est que c'est hargneux, ça, madame. Mais c'est que ça fait un gros gros. Là, j'aurais besoin de ça pour le moment.
voir si je remplace pas le tour par. Est-ce que ça fera ça? On va amener écouter ça. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir, parce que j'ai quelques idées. Les idées, c'est pas ce qui manque. Hop. À chaque fois je fonce et va vraiment falloir que je sécurise avant de me péter la gueule pour de bon. Je regarde un petit peu partout parce que j'entends un ghast et ça m'angoisse quand j'ai à marcher sur un pont. Hop là, voilà. Ouais. Si tu prends pas les briques, Fred, comment tu veux faire de la rouge? Et parce que de la rouge, c'est ça avec les briques, pas avec les blocs. Donc on va faire de la rouge. On se mange la barrière en même temps. On a autant de la faire vite fait là. On pourrait la faire dans l'inventaire, ouais, mais. En espérant avoir assez. Normalement, ouais, d'après ce que je sais. Et ça avait, à force d'aller-retour, hein, qu'on se fait avoir par les ghasts, finalement, parce qu'on leur laisse le temps de venir. Ce qui n'est pas très malin. Alors attendez. Attendez, je fais. Oui, il faudrait que je retire ma. Hop, hop, hop. F5. D'accord. Retire ton froc aussi. Ouais, je l'ai fait un petit peu plus grand. Il y a deux espaces en fait. Il y a un entre. C'est pas bien grave. Tac, tac. Mais le tout, c'est qu'il prend derrière. D'accord. J'ai vu ce que je voulais voir. Hop. Voilà, il prend là. Faire 4, 4. Voilà, on va faire ça comme ça. Et recouvrir le reste de terre. C'est pour ça que je pensais faire le tour. Hop là, j'ai une pelle en fer. C'est nickel, hein, la pelle en fer. Comme ça, je niquerai pas tout. Pour ça que je pensais faire le tour en plus sombre, vous voyez. On va prendre là où il y en a le plus, hein, pour pas avoir à. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui qui débarqueraient comme ça sans connaître, c'est le signe de l'arche de Borderland.
petit peu plus haut. Aïeux. C'est cassé. J'avais de la poudre d'os. Je pense faire plus pousser Je cherche où j'ai mis les pousses. Ah, je les ai mis dans le coffre. Je les ai mis dans le coffre. Je pense faire plus pousser les acacias parce que ça ressemble plus aux arbres. Il va nous faire chier. Là. ouais. Je vais mettre ça comme ça pour pas m'encombrer. Hop. Hop, on va voir si ça pousse. Yay. Nickel, nickel. Alors, je vais pas en mettre 9, hein, non plus. Hop. Je vais voir, t'es... Non, non. Peut-être sur la grâce, faut peut-être attendre. Wow. Allez, parle-moi autrement. On n'a pas élevé les skags ensemble, mon ami. Pareil pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Hein, pas la peine de se moquer de ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais plutôt mettre ça pour éviter que ça se fasse détruire. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, les skags, c'est les animaux dans Borderlands. Hein. C'est des sortes de chiens sauvages. Mutants. Dans Borderlands. Voilà. Si je peux éclairer votre lanterne, j'en suis content pour ceux qui ne connaîtraient pas les skags. Il est là-bas. Pour le moment, on craint. Là. Je dis bien pour le moment. Hein. Hop. Hop. Donc j'ai que ça en fleurs. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc on va mettre que ça. Je vais pas mettre un troisième arbre. Parce qu'un troisième arbre, ça ferait encore grandir le bordel. Qui n'a pas besoin d'être. Et là, je me rends compte que ça va tenir à l'arbre et que c'est pas ce que je veux. Attends, on va dire bonjour à Linkid que j'ai vu qui. Ouh là là. On va dire un bonjour à Linkid qui a rejoint le serveur. Je viens de le voir dans le chat. Hello à toi. Notre ami Linkid.
J'aurais pas dû me mettre là, du quoi que. Parle-moi autrement. La terre. La terre fait comme la Nézorak, donc on a intérêt à foutre les barrières assez vite. Et on a perdu la rose. On va foutre. C'est pas des barrières qu'on va mettre. Ah, purée de Manon! Tu tires d'où encore? Tu tires d'où? Toi là-bas, je t'ai vu! Oups! Alors là, vas-y, remonte! Remonte! Ah, on n'assume pas, hein? Je vais pas l'éteindre maintenant parce qu'il y a un pig à côté et que j'ai pas envie de le frapper. Ça me gênerait au plus haut point, voyez-vous. Hop là, voilà. On peut mettre ça comme ça. Donc on pourra ressortir puisque je l'ai fait en escalier. Hein. Mais nous ne pourrons pas re-rentrer à moins de sauter. Oui, évidemment, en sautant, oui. J'essaye de le faire le plus vite possible. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'escalier. Il nous en manque que quelques-uns. La tristitude. Je ne vais pas poser là. Non, évidemment. Évidemment. Ben je le finirai hein, plus tard, hein, tout à l'heure. Je le finirai plus tard. J'ai la petite idée qui vient. On va la mettre en pratique. En même temps. Linky devait faire la sieste, c'est parfait ça. Ça nous laisse le temps de remonter, de prendre le portail et il fera jour. J'en ai pas d'autres. Oh, j'ai des escaliers! Oh! On va quand même mettre en pratique un petit peu mon idée. Se lève, on s'éloigne vite du portail parce que j'ai pas envie qu'il y ait un creep qui vienne me l'exploser. Gravier, j'en ai 8. Est-ce que j'en ai un peu plus de gravier par hasard? Hop, ça me suffira.
Alors, je sais que je peux faire dans mon inventaire. Je le sais, les amis. Mais, ouais, je prends une table de craft, je trouve ça pas mal. On va mettre un peu de stérile dessus, tout simplement. Et on va faire un mix entre la terre normale et la terre stérile, en fait. Vous allez voir. On les entend quand même vachement près. Alors le truc avec les ghasts, s'ils me tirent dessus, c'est de ne pas s'arrêter quand on est sur le pont, hein, évidemment. Hop, on va finir ça. Ouais, hein, c'est ça. Non. J'ai perdu le fil, vous voyez. Voilà, nickel. Donc, disais-je, c'est faire un mix, c'est de voir un petit peu. Ouais, on voit pas trop, hein. Vous voyez que c'est de la terre stérile, elle est peut-être un peu plus foncée. Ça va mettre un petit peu plus de couleur. Faire un petit effet, putain, mais c'est pas. Il a tiré où? Où es-tu, Lulu? D'où as-tu tiré, mon ami? Ouais, je sais pas si on le voit trop, ça fait une petite nuance. Ça fait une petite nuance, une minuscule nuance. Hein. Tu tires de là-bas. Tu tires de là-bas! Tiens! Mais créant. Ouais, ça fait une toute petite nuance. Bah, évidemment, c'est avec mon pack de texture. Hein. Hop. Toute petite différence qui peut faire là. Pourquoi pas. Je pense pour la prochaine fois vous préparer un petit épisode où je ferai une construction. Là. Peut-être une maison de chercheurs, puisque ça va être une sorte de site de fouille, hein, tout simplement. Peut-être un véhicule, peut-être une maison, peut-être. Je vais reprendre ça pour aller faire chauffer, par contre. Je vais reprendre ça, je vais poser ça, par contre. Je vais laisser ce bois là. Et puis voilà pour le moment. La pauvreté des fleurs, bah, j'essaierai de mettre d'autres fleurs, voir si ça sera plus protégé avec les escaliers. En attendant, je vais me mettre safe, parce que si j'enlève mon armure ici, je vais me faire dégommer. Hop. Hop. Hop là. Youh. Voilà. On arrive dans un lieu safe. On va se remettre là-bas. Voilà. On va se remettre là-bas. Tout simplement. Où je vous ai pris pour l'épisode. Pour le revoir. Tout simplement. Bah ouais, c'est temps de nous quitter. C'est dommage.
C'est dommage, c'est temps de nous quitter. On aura fait un petit parc. Le prochain coup, on fera peut-être une maison, peut-être un véhicule. Savoir, je ne le sais même pas moi-même pour le moment à l'heure où je vous parle, mais je vous préparerai un petit épisode sympa qui sera peut-être un peu plus préparé. Hein, ça, oui, je pense. Un petit épisode sympa, je vous préparerai pour dimanche. En tout cas, j'espère que cet épisode-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté, dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié, aux gars, et à très très bientôt. Bye bye.